Le sommet ibéro-américain s'est ouvert ce vendredi en République dominicaine avec un ordre du jour centré sur l'économie. Les dirigeants des 22 pays membres, dont font partie l'Espagne et le Portugal, ont pour objectif de conclure des accords pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Ce sommet, qui se déroule chaque année, réunit les pays qui ont un héritage culturel en commun, notamment linguistique, issu de la colonisation espagnole et portugaise.